is okay. Anything is missing. Which is your motivation? My involvement stems from my anger of what the banking system did to create the economic crisis, the global economic crisis, hurting literally millions and millions of people, primarily middle class people. Purely out of greed, they motivated themselves to take advantage of little people. Goldman Sachs these days suffer from this subprime problem. Goldman Sachs didn't suffer at all. Goldman Sachs has had its best years since the mortgage meltdown and since the worldwide economic crisis. Goldman Sachs has come out on top. They knew the mortgages would fail. They never told anyone. They were very instrumental in this crisis that the entire world has gone through. They paid rating agencies to give false ratings on these issues that led investors to believe they were safe. Countries and entire nations, municipalities, unions, they duped everyone. After the very last Wall Street reform, do you expect some benefit? Absolutely none. Business is going on in Wall Street and with the banks as usual. Derivatives are still being sold and traded. Mortgage-backed securities are still being created and sold and traded. We just don't know what ratings are put on them, but they're doing as much now, if not more, than they were before. So I see absolutely no change. How come our Western government are so weak? It's perhaps that Goldman Sachs and other banks and financial institutions have a great deal of power over the government. It's not that the government is so weak. It's possibly that those that control our finances and our money are a little bit stronger. There was a quote by a gentleman that created the concept of the central banking system, what we know here in this country as the Federal Reserve System. His name was Mayor Rothschild. He said, "Let me control the money of a nation, and I care not who makes its laws." If you think about that, it's a very profound statement. The banks and Goldman Sachs can control all the money. They can pretty much control the governments and the laws within those governments. How come there are not more people revolting? I think people, especially in this country, have a fear. They have a fear of retribution. They become sheep. They're being led to the slaughter, and they don't believe, they truly don't believe in their hearts, that they can fight against these institutions. Une surprise m'attendait à New York, mais aucune chaîne de télévision pour le raconter. Deux journalistes, c'est tout. Pourtant, il est rare de voir une manifestation à Wall Street même. 5 à 10 000 personnes sont venues très pacifiquement crier leur colère. Rien de précis à l'encontre de Goldman, mais juste contre les énormes banques en général et un concurrent de Goldman Sachs en particulier. Money for jobs!
parlé d'un député européen. Il est scandalisé depuis qu'il a découvert que les experts financiers qui conseillent la Commission européenne sont en réalité des lobbyistes payés par les grandes banques. Goldman Sachs ne contribue en rien à faire en sorte que l'économie fonctionne mieux et au développement des entreprises. Au contraire, ils peuvent gagner énormément d'argent quand les choses vont mal. Donc tout leur savoir-faire, c'est de bien se positionner. Mais c'est aussi d'influencer les marchés, d'influencer les décideurs, d'influencer les lois pour que les paris qu'ils ont pris se réalisent. Et donc, quand vous avez, par exemple, la possibilité de parier à la baisse de la valeur d'une obligation grecque, si l'obligation grecque baisse, vous gagnez de l'argent. À ce moment-là, vous avez tout intérêt à avoir une sorte de campagne de presse qui dit « Ouh là là, la situation est catastrophique en Grèce, ça empire de jour en jour. » Et vous avez donc d'autres acteurs des marchés qui vont vendre. Et si les gens vendent, le prix baisse, et c'est à ce moment-là que Goldman Sachs gagne, puisque Goldman Sachs a juste parié sur l'évolution du prix. Ils ont besoin d'opacité, ils ont besoin des paradis fiscaux, ils ont besoin du secret bancaire, ils ont besoin que les règles qui encadrent les transactions financières ne soient pas transparentes. Donc tous ces produits qui se créent depuis 20 ans, ce qu'on appelle pudiquement l'innovation financière, c'est ça qui est le ressort de l'augmentation du risque. Et alors, impudiquement, on devrait les appeler comment ? Impudiquement, on devrait les appeler des bombes à retardement. Parce qu'on est en train de créer plus de risques que d'en supprimer. La finance, le lobbying des financiers, c'est de dire on prend en charge le risque, on couvre le risque, on hedge le risque, on arbitre le risque. La réalité, c'est le contraire. La réalité, c'est qu'ils créent plus de risques qu'ils n'en suppriment. En sortant, j'apprends que Goldman Sachs est aussi poursuivi par la Réserve fédérale américaine. En 2009, une filiale de Goldman Sachs, Eaton Loan Servicing, a expulsé illégalement des milliers de familles. La Fed considère que Eaton Loan Servicing est coupable de négligence, de pratiques anormales et de comportements fautifs. Pendant des années, Jean-François Guéraud a dirigé des enquêtes contre la délinquance économique. Il vient de terminer un livre sur les crimes financiers. Je lui ai demandé de m'en expliquer le mécanisme. Les banquiers qui distribuaient ces prêts subprimes, donc dits prédateurs ou menteurs, savaient très bien que ces prêts, un jour ou l'autre, allaient étrangler littéralement les plus vulnérables de la société américaine. Il y a même une expression encore plus révélatrice et plus ignoble de la toxicité de ces prêts. Les financiers parlaient de prêts à neutrons, par référence à l'arme à neutrons. L'arme à neutrons, c'est une arme qui détruit les personnes, mais qui laisse en place les bâtiments. Donc ces prêts subprime allaient un jour ou l'autre, de manière très consciente et très volontaire, en quelque sorte détruire les ménages américains qui allaient être étranglés, mais laisser intactes des maisons qui pourraient être ensuite rachetées par les banques elles-mêmes. À partir des années 70 aux États-Unis, il y a eu un rééquilibrage ou un renversement de pouvoir entre le monde financier, qui est à New York, à Wall Street, et à Washington, là où il y a les institutions politiques. Petit à petit, la finance américaine a pris de plus en plus de poids dans le système américain et a commencé petit à petit à tenir en laisse le pouvoir politique. Est-ce qu'il y a des gens au-dessus de Goldman Sachs ? Est-ce qu'ils ont des comptes à rendre à quelqu'un ? On peut penser que l'impunité est criminogène. C'est-à-dire que l'impunité est une incitation permanente à commettre de nouveaux crimes. C'est vrai pour un voleur de banque, c'est vrai aussi pour un banquier voleur. Et c'est tout le problème du système américain. Comme il ne sanctionne pas réellement, il incite en permanence à des comportements au minimum douteux. Or, la dérégulation, au moins quand elle est pratiquée de manière très dogmatique, très fondamentaliste, elle est criminogène. C'est-à-dire qu'elle constitue une incitation permanente à des fraudes, et elle crée de manière systématique des opportunités de fraude.